Salut, bienvenue dans ce nouveau épisode donc de Borderlands 3. Donc là, on reprend par rapport à la suite donc qu'on avait faite la dernière fois. Donc j'ai donné les fragments de clé à Tanis, bon, sauf que la copine de Balets avait repris donc le vaisseau. Donc, du coup, là, on a tué sa copine. Mais Et ils donc sont où, du coup, bordel? on doit retourner aller voir Clé. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ah, il donne aussi une quête. Ah, vous voilà! Content de vous voir. J'aurais besoin d'un coup de main. Je vous explique. Je faisais partie d'une bande de contrebandiers, les Lascars. Je les ai fait venir pour trouver le fragment, et ils l'ont fait. Mais ils ont infiltré les DDA. Vraiment super profond. Au point que j'arrive plus à les contacter, ces crétins. Alors je voudrais que vous les retrouviez. Tenez, prenez ça. J'appelle ça le Visio Lascar. Devinez ce que ça fait. Je ne devine jamais, je détermine. Et là, je ne sais pas. Le Visio Lascar peut tout faire, ouais. Laisser des messages secrets, planquer du matos, marquer des lieux, poser des pièges. Tout méga sûr des Lascars en ont un. Et maintenant vous aussi. Comme je disais, les Lascars menaient des opérations contre les DDA tout en cherchant le fragment. Avec ce Visio Lascar, vous pourrez les retrouver. D'accord. J'ai caché du matos pas loin. Allez-y, essayez le Visio Lascar. Faut juste regarder dans le viseur. Alors. Du coup, faut qu'on prenne l'objet de mission, à mon avis. Celui-là, on va le mettre là. Donc, je sais que c'est le dalle. Et je vais le mettre en favori. Hop, ah là, faut monter. Allez, une échelle là. Tu pouvais pas dire qu'il fallait monter. Requête. Ah, on veut même pas voir. Ah, si 237, level 19. Non, il m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Coucou le rapace, j'ai besoin d'un coup de main. On est victime de notre succès. Tu te souviens de la vidéo où Troy défonce ta petite copine la sirène? Je sais pas comment faire mieux que ça. Je sais pas, est-ce qu'on tue des orphelins ou bien. Est-ce qu'on tue des chiots ou alors on fourre un tas de chiots dans un orphelinat et on le réduit en cendres? Ah, c'est un dilemme. Qu'est-ce qu'il vaut mieux pour faire pleuvoir les offrandes? Oh, taille! Et si on laissait les fidèles décider? Un sondage? J'adore! Faut qu'on file, Cyberfan. La grande arche appelle. On sera bientôt des dieux, tas de camps. Bisous! Un truc dans le coin. Regardez avec le Visio Lascar pour trouver ça. Putain, je tire dessus, putain. Faites-en bon usage, ok? Oh, je me prends pour utile. De sang, le chaos. Ah, c'est brutal, tu vois. D'accord. Alors. Encore à la requête.
mort au géant. Tu es la mule, saloperie de mule. Non, ça n'est pas terrible. Bon bah du coup on va se retrouver quand on sera au Bourbier là. Il a dit de se planquer. C'est pas aujourd'hui qu'on va rentrer. Peut-être demain. Il croit vraiment qu'on va pouvoir garder ce fragment caché? Ça groupe de DDA dans le marais. Hé, qu'est-ce qui se passe? Comment ils nous ont trouvés? Quelqu'un a pris Méga par surprise et volé le fragment. Mais je suis pas détective. Heureusement que j'ai un truc tout près d'ici. Appuyez sur ce bouton là-bas. Faut parfois qu'un contrebandier puisse larguer son chargement à toute vitesse. Alors les Lascars ont un tracker de matos spécial. Fabriqué par mes soins. Avec ce bijou, on peut retrouver le matos perdu partout sur une planète. Mais dans ce cas précis, on va retrouver ce fragment et le traître qui l'a volé. Merde, j'avais oublié ça. Tous les Lascars ont une carte de sécurité comme celle que vous avez ramassée sur les restes en charpie de mon vieux pote Archimède. Et on dirait bien que le coupable a eu la bonne idée de toutes les prendre. Mais heureusement, j'ai encore des gars en vie dans le coin. Vous allez devoir récupérer leurs cartes pour qu'on puisse activer le tracker de matos. On va commencer par l'agent D, c'est lui le plus proche. Prenez contact avec D pendant que je préviens les autres de votre arrivée sur la ligne sécurisée. Ah d'accord, ouais, c'est une piège sauveur. L'agent D est un vrai pro du déguisement et des pièges. En plus d'être un pole dancer hors pair. Ah, ce qui est un véritable atout dans cette galaxie. L'agent D mène les DDA par le bout du nez. Ils sont complètement hypnotisés. Tant que tu lui fais pas signe de se trahir, ces bandits feront rien. C'est une bonne idée, Tyrine, parce qu'ils avaient personne d'autre pour les aimer ou les regarder. Mais c'est pas une raison pour faire cramer toute la galaxie. Bon, enfin, tu mets trop des munitions ou des armes parce que là, ça commence à être un peu chaud là pour moi, là, au niveau des armes. Du coup, je vais faire le tour plus court. Voilà, tout ça, faut que je fasse tout le tour. Pff, oh là là là. Je vais faire couler le sang. J'aime ton enthousiasme, mon ami. Je bouge dans mon... Tyrine me protège. Attaque, mon ami. C'est ce qu'il me fallait. Un bouclier, je vais le prendre.
Du coup, je vais passer par là. Quel soulagement. La Jandée est en vie et toujours en forme. Quand vous voudrez attirer l'attention de la Jandée, visez ce repère avec le visio Lascar. Le spectacle est fini. Et avec Clay. Super. Oh, ah, d'accord. Bon. Chasseur et parfois on est la proie. Tu ne peux rien contre moi. Pourtant passé un bon moment. Un panier rempli de l'or. Un dessus. Pas je prends. Un sniper. Permet d'alterner des électriques et rigueur. Ça, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ah, du coup. Tiens, je vais pouvoir virer. Celle-ci. Celle-là. Je vais virer celle-là. Je vais prendre celle-là. Pousse que vous connaissez, c'est quoi? Le code couleur. Donc le code couleur blanc, c'est commun. Ouais, il me semble que le blanc, c'est commun. Le vert, c'est rare. Et le bleu, c'est très rare. Le violet, je sais plus ce que c'est comme. En fait. Et le dernier, c'est légendaire. C'est le orange. Ça, je sais pas. C'est le peu commun. Ça, c'est des. Ça, c'est des communs normalement, il me semble. Alors, attendez. Dès qu'on aura chopé le traître, ça, c'est les rares. Les très rares et les légendaires. Voilà. Et ceux-là, c'est commun. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un commun pour blanc, peu commun pour les verts, très rare pour les bleus, très rare pour les violets et légendaires pour les oranges. Les oranges, vous ne pouvez pas les louper, en fait, c'est quand vous en avez une. Il y a une genre d'étoile qui apparaît sur la carte en haut à droite. J'arrive toujours pas à croire qu'un de mes lascars m'ait trahi. Mais bon, c'est comme ça, hein. On n'y peut rien. J'ai plus qu'à me remettre en question. Clay, j'espère que tu recevras ce message. Je crois qu'un des lascars a rejoint les DDA. Je vais m'infiltrer pour mener l'enquête. Retrouve-moi, on partagera nos infos. Cet écho s'autodétruira dans 3 secondes. Bip. 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 Mais non, je déconne. Je vais pas te tuer. On est frères, mon pote. Voilà. Du coup, alors là, on va encore faire la cachette. Je vais couper et on va reprendre la cachette. J'ai vendu les Lascar, Clay. J'ai infiltré un sous-groupe des Aquafétides, les Fangeux. Eh ben figure-toi qu'Aurelia Hammerlock a proposé le système d'Eden 7 à l'un de nos gars en échange d'un fragment de la clé. Reste plus qu'à trouver qui. Si je te donne plus de nouvelles, mon pote, c'est que je serai mort. Enfin, soit mort, soit fait prisonnier. Mais dans les deux cas, retrouve-moi. Moi, je le ferai pour toi. Bibiou est un sacré taré. On se connaît depuis longtemps. Vous devez le trouver, chasseur de l'arche. Moi, bon, c'est de trouver le gars, là, le pied pilou, là. Bah, du coup, on va reprendre dès qu'on le trouve. Hein. Salut, salut. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Borderlands 3.
J'ai un petit peu craqué, j'avoue totalement. Je teste un mode de jeu, donc on va voir ce que ça donne. Parce que du coup, je ne sais pas du tout ce que ça pourrait donner par la suite. Tu apprécies ton dernier choc. Laisse la vie s'échapper. Attendre, crabouillé. Hop. Ah oui. D'accord. Bon, je crois que ce mode là je vais l'enlever. Je ne vis que pour la faucheuse et sa chasse glorieuse. Je comprends maintenant. Ouais, on va enlever le mode. On va l'enlever, hein. Ça sera utile peut-être en KO. Donc on verra pour mode KO. Je savais que je faisais bien de te garder. Par contre, juste faire quelque chose. Alors, du coup. Hop, voilà. Ah bah les DDA, je te couvre. Bonne chance. Oui, donne l'assaut. C'est notre commandant. Je peux enfin vous briser. À volonté, juste mis l'iridium et la monnaie. Attention, tout le reste, j'ai laissé comme ça. De l'arche. Et puis j'ai mis bouclier illimité, voilà. Juste pour voir. Tu es déjà mort. Tu te rends compte, non? C'est vrai que le trait de mille espèces, ça peut pas être. Ah, c'est pas non plus génial, quoi. C'est vrai que c'est un peu nul, quoi. Bon. Après, c'est vraiment pour monter, je pense, les modes. Les personnages. Hein. Les personnages assez rapidement. Mais... ouais, c'est pas génial. Quoi. Vaisseau arrive jour et nuit. Parce que ces tarés font du trafic d'organes. Ils découvrent. Ah, du coup. Je vais te monter, hop, voilà. Pauvre type et vendre les morceaux aux quatre coins de la galaxie. Je vais te monter celui-là. Donc là, la régénération de santé, ça s'en fout. Donc là, après, il y a toute la rage et tout. C'est rien de spécial. Alors, j'ai installé un scanner pour pouvoir suivre les cargaisons. Eh ben voilà, cette saloperie de scanner est pétée. Tu vas devoir escalader la grue pour réparer le machin et le mettre en position. Ensuite, je pourrai suivre le vaisseau. Merci d'avance. Alors. Maître de scanner. D'accord, donc là, il faut monter. Alors, c'est ça qui est bien dans ce bordel, c'est qu'au moins maintenant, on peut interagir avec des trucs, on peut monter, on peut descendre, on peut tout faire.
Ça, c'est ce qui manquait vraiment aux deux premiers, voire même aux trois, parce que. Bon, après, Pré-Sequel, c'est pas non plus à part de l'ordre, mais. Et voilà. Ça pouvait être utile. Maintenant, rejoins le scanner. Merci encore. Regarde pas en bas, sinon tu vas te jeter dessus. Y'a un truc qui déconne. T'as qu'à le cogner. Merci encore. J'ai horreur de ces cinglés. Tu m'aides bien. Ah, tu es fanatique. Du coup, faut faire quoi sur les gens? Ouais, je pense qu'il faut descendre. La chasse est ouverte. Et la faucheuse! Quoi? La faucheuse maintenant. D'aller voir le bureau des dominos. Du coup, on monte par là. Ce bureau, c'est des chiottes. Ouais, pas mal. On a toutes les cartes. Bien joué, chasseur de l'arche. Revenez à l'entre du Lascar. On va pouvoir activer le tracker. Quand vous aurez scanné ces cartes, le tracker de Matos nous mènera droit au fragment. Et au traître. Je pense que c'est sûrement un des Lascar, à mon avis. Je dois dire, j'aurais jamais cru utiliser le tracker pour dénicher un traître. C'est Aurélien qui a raison. La loyauté s'achète à prix coûtant. Alors par contre, du coup, je sais pas si j'aurai le temps de filmer toutes les étapes de Borderlands, parce que du coup, je suis pas sûr de pouvoir avoir le temps requis pour le faire, parce que ça prend pas mal de temps et je pense que j'aurai peut-être pas le temps. Au pire, j'essaierai de filmer vraiment à la fin, essayer de filmer à la fin, je ferai un montage, mais je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas du tout si je pouvais le faire. Donc si je peux le faire, je reste du coup et tout, mais je ne sais pas encore. On verra. Bon, du coup, bah, moi je vais vous laisser là. Donc j'emmène les sous encore. Je n'ai pas fait du tout d'épisode. J'en ai fait que 10, en plus. Mais j'essaierai de me rattraper sur d'autres persos si j'arrive à prendre ce qui va se passer. Donc voilà. Sur ce, bah, je vous mettrai quelque chose sur ma chaîne en disant si je peux le faire ou pas. Donc là, je ne sais pas encore à l'heure actuelle. Donc on verra bien. Allez, tchuss.